Yo secrétaire, est-ce que tout va bien au niveau du son, mon cher secrétaire? Ready? Yo sabreur, comment ça va? Ok, du coup, on se retrouve, parce que là, au niveau du son, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Ok, alors, ici, nous avons un classique, bien sûr, Peach contre Bowser, on ne connaît que ça. Eh bien, en réalité, vous ne le savez pas, mais c'est un rematch de Friendlies, parce qu'ils se sont affrontés, et Ashura a alors remporté le premier match de sa life contre Bowser, le terrifiant. Et je suis rejoint de ce pas par Incuri. Oui, bien bonsoir. Qui vient, c'est quoi ton Twitter? Incuri-SSB. Rejoint par Incuri, qui justement veut s'entraîner au cast. Et quoi de mieux ici que de s'entraîner à la Salty Arena sur un match-up Peach Bowser. Alors évidemment, on ne connaît que ça. Est-ce que tu pourrais rappeler évidemment les clés de ce match-up? Les fameuses clés de ce match-up que tout le monde connaît. En vrai, j'ai aucune idée. Alors Bowser bien connu pour être le pire perso du jeu. Forcément, il va avoir beaucoup de mal à approcher face à Peach qui a qui a pléthore d'options pour empêcher d'approcher son adversaire. Je pense au turnip, je pense au crouch cancel down smash évidemment. Ouais, donc match-up assez compliqué pour Bowser. Comme à peu près tous les personnages du jeu, j'ai envie. Bah oui, exactement. Mais on voit que Peach Knight, il est solide sur mon Bowser parce qu'il sait wave dash. Donc c'est un pro. Alors ici, vous avez Ash qui a à peu près une heure de jeu dans les pattes. C'est ça. C'est un joueur Snake dans Melee. Dans Ultimate, pardon. Ouais. Et du coup, il a passé le pas malgré tout. Et il a rejoint son premier tournoi Melee. Et on ne peut que saluer cette initiative. Ouais, c'est cool de voir des nouveaux visages dans la commune. Tandis que Peach Knight, eh bien, vous l'avez vu il y a deux semaines, évidemment, c'est celui qui nous avait vibré lors de la grande finale de l'Amateur Bracket. La vraie finale, finalement. Lui et son Pichu. La vraie finale. Le dernier 7K, c'est le tournoi, c'était la vraie finale. Et quel plaisir à regarder, c'était. Alors malheureusement, pas de crew battle Belge-France hein, pour cette édition encore. Trop peu de Belges malheureusement. Mais oh là là, le sabre incroyable. Et tout de suite, ça a été lancé. On ne sait pas comment ça marche. Et attends, Bowser qui bien sûr nous casse les oreilles avec ses... Ah non, mais il est relou. Ah. L'écran de sélection de personnage a été relou. Et là, il y a toute la vieux New qui regarde les yeux écarquillés ce set. On se demande, mais et qu'est-ce qui se passe? Ok, alors on a Ashura qui a du mal à trouver bien les options, qui décide de rester très grounded, qui approche avec un fer ici qui manque un edge guard. Okay, oh là là. Il a dit dans ce match c'était fort, du coup il le bourre un petit peu comme ça. Et puis Chunen qui zone beaucoup mais qui ne lance aucune hitbox. C'est ça, et pour le moment on est sur un bel avantage de la part de la zone. Oh là là, le beau combo, le grab turnip forward throw, histoire de sécuriser la stock. Et deux stocks d'avance pour Ashura dans ce BO. Quand même, hein. Quand même. Surtout c'est un BO3, ce qui fait que Pichu Knight là, s'il perd cette game, je crois qu'il a pas d'autre choix que passer sur Pichu. Bah ça dépend jusqu'où il va pousser un peu la fierté qu'il met dans son Bowser. Oui, voilà. Mais... Après, ouais. Là du coup on a un format un peu... Lunari qui fait beaucoup de bruit comme à son habitude, mais on aime bien, il y a beaucoup d'ambiance ici, c'est mal. Lunari, chauffeur de salle, il n'est pas Lilo, il est belge, mais c'est lui qui, ah bah oui, qui fait marcher la commu. Hein. Ah, les Belges, de toute façon, les personnes les plus bruyantes au monde. C'est un peu que des petites Asiates en puissance, hein, si vous connaissez le bonhomme. Mais ouais, du coup, là, on est à 15 joueurs avec du coup 3 poules de 5. Ouais. Un format un peu particulier parce que y a 9 personnes qui vont aller en pro. Ouh, c'est le geek ici avec le pire move du jeu qui a tué. Attends, j'ai bien pas vu, c'est passé quoi? Bah en fait il a fait le neutral B
buzzer. Oh. Et Ashura a pas su revenir. La classique, mais du coup on est sur une petite remontada peut-être de Pictionet. Ici on est revenu à Evenstock. Par contre belle patte d'Edgeguard ici. Ashura qui gère tellement bien son Edgeguard et qui empêche complètement Pictionet de revenir. Cependant, le reversal ici, faut faire attention. Oh, le neutral B de Peach. Sorti un petit peu tout seul, le Todd voulait aller se balader. Cependant on a grave, on a la S7 forward throw. Est-ce que Bowser peut revenir avec le... Oh là là, oh non, le mauvais angle pris à cause de la poêle. Mais en fait sur Melee tu peux pas choisir. Ouais, c'est aléatoire. Et je pense que Ash il est pas au courant. Oh, oh là là, je garde le clé de golf. Tout le monde gueule dans la venue, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'était... Oh, la monstre. One more stock. On crie déjà one more stock alors que... On est en round 1 de poule et ça gueule déjà one more stock. Pour les chips. Ah oui, c'est un chips match. C'est un chips. Pourquoi ? Il y a de l'enjeu, hein, visiblement. On parie des chips ici. On est à la stock ici sur Pokémon Stadium. Les deux joueurs se regardent dans le blanc des yeux. On essaye de zoner un petit peu avec le tendif. Bowser fait un camion. Ah oui. Il se fait grab. Le se fait du camion là. C'était Oh là là. Par contre, le back air qui était bien cancel. Bien. Oh, le forward smash ici. On se met back throw. Et là, ça peut être le début des emmerdes. Non, le neutral B le touche. Oh, il s'avance. Oh. Tout doucement. Inside B. Mais quel disrespect. Ash qui n'a peur de rien. Regardez dans la cam. Le regard d'un tueur. Il sait ce qu'il fait. Bientôt, il sera allé. Oh là là. Le caddy à B. Oh. Oh là là, le forward tilt. Encore une fois, l'un des pires coups de pitch. Mais Ashura qui redéfinit complètement. Oh, peut-être le attraper, attention. Non, il arrive à revenir. Le forward air. Le forward air. Il faut recover. Oh, c'est oh, le ledge hog. Et le ledge hog. GG. Et on est à 1-0 pour Pictionet alors qu'il a déjà pop-off de tout son être. Oh là là. Oh là là, et ça taunte en disant est-ce que tu veux des chips? Le meilleur buzzer de France nous dit Kumatora. Bonjour Kumatora. Aïe aïe aïe, Kumatora. Altaria représente. Alors, regardez là tout le monde qui regarde ici. Tout ça pour regarder un Peach Bowser gagné en plus par Bowser. C'est magnifique. C'est, ça n'a aucun sens. C'est ça Melee après tout. Alors, comment dire. C'est le Melee qu'on mérite. C'est le Melee. Franchement. C'est pas celui qu'on voulait, mais c'est celui qu'on a du moins. On mérite chacun notre Melee. Mais franchement. Ah bah oui. Je veux un Melee comme ça. Je veux. Ah bah, et ça c'est aussi un message envoyé à toutes les personnes qui se disent mais je pense que j'ai pas la limite d'aller en tournoi, etc. Mais il n'y a pas de limite pour franchir la porte, il n'y a pas de limite de niveau. Voilà. Franchement, tu dis pas ah, je sais pas cuisiner avant de te faire tes premières pâtes. Bah là, c'est exactement pareil. Exactement. Ok, alors on a le counter pick extrêmement réfléchi de la part d'Ashura, j'en suis sûr. Bien sûr. Qui va sur destination finale. Et bien, c'est sûr que c'est très mauvais hein, pour Bowser dans ce match-up pour toutes les raisons qu'on connaît et qui est inutile de... Oh, le Shaggy ici. Le Shaggy. Oh oui, c'est pas destination finale. Oh, oh, ce combo 65% trouvé à partir d'un grab, c'est énorme. Ah, ça change des combos de 15 minutes avec Pikachu, ça fait 20% quoi. C'est ça. Oh ah là là, le neutral B. Et on ne recover pas côté Ashura, attention. Alors j'ai pas fait la commande parce que je pense que j'ai pas les accès pour regarder le bracket. Oh là là, attention, la forward throw, qui envoie fake. On met un joli turnip ici qui ne touchera pas. Un deuxième non plus, on arrive à recover tranquillement au milieu du stage avec ce B.I. On met le forward air. Et là c'est chacun a un peu son le terrain comme il veut. Attention cependant ici, oulala. Mauvaise position, très mauvaise position pour Ashura. Le neutral B qui va envoyer de très très gros pourcents. On recover cependant le double B. Par contre, forward air, ça envoie fort, ça fait très très mal. Mais sur Bowser et le club de golf.
il a envoyé son meilleur coup de driver. Oh là là. Ouais. 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 Oh, ah, stock ici. Aïe aïe aïe. Alors peut-être pour le joueur de pitch qui vient d'Ultimate, qui a une tonne de jeu. Oh là là, on a une double SD, c'est terrible. Et attention, du coup on revient even dans ce set. Ouais. Non, non, très bonne DI de la part de Beach Knight. Excellente DI qui lui permet de jump en out of chain grab. Et là on revient pareil, 43-34%, c'est très even, très serré, on ne sait pas qui peut gagner le set. Ah mais non, oh, attention, vraiment. La dash attack. Je n'aurais jamais cru voir une dash attack de Bowser touchée. Ok, sa zone au back air, c'est très original pour un Bowser. Bah franchement, c'est son coup qui a la meilleure. La pitch bomb. Bah je pense que le fer c'est vachement mieux en vrai. pour zoner pas. Oh non non non. Oh LSD. Peut-être. Alors peut-être. La première win d'Ashura ici. Ouh, il se fait. Ce serait dingue quand même que pour son premier match de tournoi, il rentre une game. Bah en plus contre le gagnant contre en titre de l'amateur bracket. C'est ça, le champion en titre de l'amateur bracket. Bon alors le chain grab n'a pas l'air trou ici. Kumatora qui soutient Ashura ici. Ashura qui a ses fans dans le chat. N'hésitez pas à vous manifester bien sûr dans le chat hein, pour soutenir vos poulains. Ok ici. C'est tendu, c'est très tendu. Il faut que Pichounet trouve le kill. La forward throw ici, mais ça ne tue pas Bowser en throw. Oh, oh là là, le forward. Il a mis un grand jump vert et c'est bon, la stock est prise. Et okay. Ashura est réduit à sa possible dernière stock dans ce set. Ok, le grab ici, on se rebelle deck. On monte les pourcentages ici. On zone bien avec le dash den, c'est pas mal. On a tenté une dash attack, encore une fois, hein. Très bonne option de la part de Peach. Ça. Oh, oh. On se fait grab juste après la dash attack. Oh, oh le shield grab ici. Le max throw. Oh non. Oh, le EB qui va toucher. Le EB qui est possiblement le meilleur coup de Bowser, je tiens à rappeler. Le seul coup, très certainement, de Bowser. Le seul coup de Bowser. Ok, Lunari qui soutient à fond Ashura, il veut le voir, perf. Alors, on arrive à recover high. Pichunet qui fait beau. Oh non. Oh non. On était à rien d'un désastre. Un grand forward smash chargé au maximum. Et la... Oh là là. Oh non, c'est pas Ashura. Mais c'est un pop-off. C'est un pop-off pour une game de round 1 de poule. On aime la Salty Arena. On aime la Salty Arena. C'est n'importe quoi. Et on va en game 3. Beaucoup trop de tension dans ce set. Est-ce qu'il va garder son buzzer? Oh. Ça garde Bowser. Ça garde Bowser. Ça garde Bowser. Ça joue ici. Avec le feu. Ça joue. Moi je dis, je sens un petit Yoshi Story. Je sens le Yoshi Story. Ce serait. Pas déconnant. Oh ah bah voilà. Et bah voilà. Mais qui est excellent pour Peach en réalité. Hein. Non. Bah en fait, elle couvre. En fait, elle met tellement de gros hitbox sur le terrain que c'est très difficile de lui piquer le contrôle du terrain. Ouais, mais Bowser, c'est une hitbox énorme à lui tout seul. Il couvre tout. Vraiment, il a pas bougé, il couvre déjà tout le terrain. Il a un deal qui est gratuit au ledge. Bah en fait, c'est surtout que il a sa Earthbox qui couvre tout le terrain. Du coup, il se fait très facilement toucher un peu partout. Il a pas d'endroit où se réfugier un petit peu. Surtout que Peach Knight, on l'a vu pas mal zoner hein, dans son coin et attendre. Eh mais là, il joue complètement différemment. Là, Peach Knight, il joue complètement différemment. Il en a rien à branler. Vraiment, il en a rien à faire. Il fonce dessus. C'est vrai, c'est une bonne adaptation par rapport au terrain qu'il a pris. Et il y a du coaching de la part de la crowd qui dit fais des dance smash. Le coaching est interdit. Ouais, faut pas lui dire de faire des dance smash. Parce que Lunari, tu crois que je t'ai pas vu dire à mon kid pick FD la dernière fois? Oh
les as-tu ici avec le père. Et on a une lead ici assez solide de Pitch Unight. Jeanne et il a été aussi devant. Et on commence avec un juggle, dommage. Ça a fait un up smash au lieu d'un upper. Ok, il est en edge guard. Non, on bourre le down smash, c'est très fort, mais ça touche pas à 5 mètres de décart, malheureusement. Et là, vraiment, on a un spacing de fou de la part de Pitch. Il laisse approcher, mais ouais, ça n'approche pas. Et il garde bien le center stage, j'aime beaucoup ce qu'il propose ici. Et oh, le up B pour catch le jump. Par contre, c'est pas safe on hit. Ouh, le down air. Mais on voit de nouvelles choses. Oui, on bah, voit des forwards. Hein. On voit des forwards. Oh, non, ça tue. Le coup de cul. Est-ce qu'on va voir un force stock ici? Non. Bah, non. Est-ce qu'on va voir un Jimmy fort ici? Il veut aller chercher le divin. Oh non. Oh. C'est vraiment la zone, hein, ici. Ok. On est sur un dernier stock. Ici, de force, ça a l'air très compliqué. Est-ce qu'il va sortir avec les honneurs? Ou est-ce que, eh bien, il ne prendra pas une stock legit à son adversaire? Insane match de la part de Pitch Unight. Il faudra vérifier sa manette s'il n'y a pas un bouton turbo, tellement il match très bien. Et il monte sa manette à la cam, c'est magnifique. Il est là, il est fair play, il montre qu'il ne triche pas. Ou par contre, attention, le forward air. Le deuxième stock ici. Voilà, oui. Et Pitch Unight qui s'impose 2 à 1. Bravo. Et ça récupère les chips. C'est bien, c'était un beau match. Sage dans